elle passe à vitesse. Non mais... On se retrouve avec Benji aujourd'hui, il s'est testé sa voiture, donc c'est une Mercedes C63MG, donc pour les connaisseurs elle fait 527 chevaux, est-ce que tu as déjà conduit une voiture comme ça? Jamais. Alors faut savoir que j'ai jamais prêté ma voiture, juste deux fois à mes meilleurs amis, mais c'est tout, et quand je la prête j'ai la boule au ventre, mais alors là... Non mais alors là, je conduis horrible. Bien, c'est pour ça qu'il a la confiance, c'est parce que je conduis très bien. Ouais bien sûr, c'est ce qu'on va voir, mais en tout cas je stresse à mort, Oh faut pas. Toi tu es confiante, ça va? Ça vient de se passer, ouais. Bien sûr. Voilà le gamos. Allez, on est parti. Alors du coup, tu règles ton siège. On passe au réglage. Ok. Une vraie fille obligée de s'avancer à mort. Pourtant, tu es grande, toi. Tu es pas... Non, je rigole. C'est une on fait quasiment la même taille en plus. Ok. Faut que tu te sentes à l'aise. Est-ce que tu es à l'aise là? Ouais, ça va. Mais tu sais que je stresse un peu là. Moi je suis pas à l'aise du tout par contre, ça c'est sûr. Tu stresses? Mais ah, c'est moi qui ai un stress là, tu es malade? Non, je stresse un petit peu là. Je te jure. Oh là là là, quelle catastrophe ça va être, j'espère pas mais... Bon Tania, je te confie les clés. J'ai vraiment très peur. Moi aussi j'ai super peur là, non vraiment. Là je vais me laisser ici. Oui, vas-y. Là le frein, là, accélérateur. Hein. Oui, Tania, me fais pas peur comme ça. Vas-y, démarre. Ok. Alors, eh ben, non, ben, j'ai vraiment tu vas peur. Faire doucement au début, tranquille. C'est que mes mains transpirent. La vie de ma mère. Moi, j'ai mal au ventre, j'ai les mains qui transpirent, j'ai la nuque chaude. Donc... Pour partir, il faut être en D du coup. Ok. Il faut le tirer jusqu'à D. Putain, j'ai peur, Ben. Allez, vas-y, on va brûler doucement. T'as l'embrayage ou non? Tania, non. C'est une automatique, il n'y a pas d'embrayage. Ok, là, je tire juste en bas. Jusqu'à D. Voilà, c'est bon. Maintenant, lève le pied du frein. Ben, j'ai trop peur. Tania, la vie de ma mère, je suis pas. Tu as le permis. Oui, j'ai peur. Allez, vas-y, avance tranquille. Sais... Au début, tu vas rouler doucement. Voilà. Frein accélérateur, vas-y, avance tranquille. Non, arrête, j'ai pas. Je maîtrise comme ça déjà. Mais j'ai fait frein, mon gars. Ouais, attends, j'ai vraiment peur, hein. C'est pas une blague. C'est pas de l'acting. Parce qu'en fait, moi j'ai une petite voiture. Ouais. Quoi ta voiture d'ailleurs? C'est une Chevrolet ABO. Ok, combien elle a de chevaux? Mais j'en ai aucune idée là. Bon, là il y a 527 chevaux. Elle a jamais conduit de voiture comme ça, du coup, bah, c'est sa première fois. Donc on va voir, attends, je te mets juste. Tac. Là au moins tu peux voir les vitesses, tu es en 3. Bon bref, conduis, ne te soucie pas de ça, voilà. Est-ce que vraiment t'as cru que j'allais regarder? Surtout que je vends ma voiture, donc si elle me l'abîme juste avant, c'est pour toi à tous les frais. Hein. Quel est ton premier ressenti déjà là? Pas mal, honnêtement, c'est bien une automatique, hein, parce que moi j'ai une manuelle. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Bon, tranquille, tu vois, c'est confort, on pourrait presque croire que c'est pas une voiture de sport. Eh, en vrai. Vous entendez, ça voit comment il est stressé. C'est normal d'être autant stressé. Mais du coup là, tu vois, en conduisant, tu te dis pas c'est une voiture de sport. En vrai, genre tu peux conduire ça tous les jours. Non, c'est une voiture de merde. Évite les trous aussi, elle évite pas. Elle prend tous les trous de Marseille. Donc. Ah ouais. Mais fais attention. Hein. Bah, voilà, je vous le dis les amis, on est à 40 km/h depuis le début. C'est limité à 50 quand même. Avance un peu. Ok, mets ton pied à fond dedans. À fond. Non, tu es pas à fond là. Ouais, c'est bon, c'est bon. J'ai pas à fond du tout là, je te dis mets ton pied à fond. Ouais mais attends, on est en ville, on est en ville. Mais y'a pas d'eau, on va pas aller sur l'autoroute là de toute façon. Ah ouais? Non, vas-y continue. Ah ok. Ah, ouais. Ah donc je vais en profiter. Comme elle est timide. Oh là, oh là. Bon, regarde, tout le monde te regarde. Je lui ai dit appuie, elle a fait ça. Elle s'est caguée dessus direct. Tranquille. C'est la première accélération. On est en mode confort en plus, hein, tranquille. Ah, ça, tu te sens bien? Tu es un peu décompressé, non? C'est bon, ouais. C'est bon. Ben non, honnêtement, moi j'ai pas trop confiance aux gens en voiture, mais je suis monté plusieurs fois avec Tania et c'est vrai qu'elle a une bonne conduite, ça va. Vas-y, si tu appuies un coup à fond là. J'ai fébrile là. Ouais, là c'est la deuxième accélération. Ouais. Ça te fait quoi un peu, genre les premiers trucs comme ça? Ça te fait bizarre ou pas? Ah, c'est trop bien. Ouais, t'aimes bien. Mais tu sais que moi j'aime bien conduire. Hein. Ah ouais? Vas-y, appuie dedans. Allez, vas-y, freine. Bon, encore là, ça va. Le jour, j'ai chaud. Ouais, non, mais chaud. Non, moi, c'est quand je démarrais, et t'aurais dû toucher mes mains. Ah, elles étaient moites. Là, surtout, n'accélère jamais en tournant avec cette voiture. Ici? Ouais, là. Ouais, t'as peur de faire. Non, parce qu'en fait, il faut savoir que cette voiture, il y a 527 chevaux, mais sur les roues arrière. C'est les roues arrière qui actionnent la voiture, en gros, c'est une propulsion. Donc si tu tournes et que tu accélères en même temps, mais la voiture elle va déraper en gros et tu peux perdre vite vite le contrôle. Je sais pas si tu as ça dans le sang, mais ça peut être vite dangereux. Je sais. Alors Benji vend cette voiture. En plus, après l'avoir utilisée, je pense que tu vas la vendre plus cher. Ouais, certainement. Après un accident, je pense pas. Non.
Non, je touche du bois. Mais du coup, il y a une prochaine qui va arriver là, ben, très prochainement du coup. Et on pourra refaire une vidéo avec l'autre voiture qui marchera super bien aussi. Si on est toujours en vie. Si on est toujours en vie après cette vidéo. Si cette vidéo est publiée, c'est que c'est bon normalement. Là, on va aller dans un tunnel et on va voir que vaut Tania en accélération. Si elle sait un peu maîtriser les voitures. Qui croit en moi? Qui croit en elle? Dites-le moi en commentaire. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, de ce type, de ce genre, mettez des commentaires, likez. Vas-y, là, du coup, on va rentrer dans le tunnel. Là, on respecte les limitations de vitesse, de toute façon. Allez, vas-y, appuie à fond. Vas-y, envoie un coup là. Là j'ai réussi, tu dis que là j'ai réussi. Ouais, c'est bien, c'est bien. Elle est déterre, ça y est. Là, je attends, tu sais quoi, on va faire aux palettes. Je vais là, rétrograde là, à gauche. Okay, là il faut appuyer là. Pas. Non, 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 tu appuies pas. Tu touches rien, c'est juste les mains. C'est juste les mains. Ouais, les palettes derrière. Je sais même pas si c'est ça là. Ouais, ça, okay. Appuie. Là tu as rétrogradé une voie. Et là pour passer la vitesse, c'est là. Okay. Tu vois, le rétrograde. Rétrograde. Ok, accélère et après passe la vitesse. Accélère et après passe la vitesse. Ouais, mais tu es timide. Ouais, mais j'ai peur. Rétrograde. Voilà. Appuie à fond et. Allez, passe la vitesse. Non, mais. C'est pas ça. En fait, tu peux genre passer la vitesse en même temps qu'accélérer. Genre, faut pas désaccélérer, ouais, passer la vitesse. Tu vois ce que je veux dire? Bon, elle est pas prête encore pour passer les vitesses aux palettes. Mais c'est un apprentissage, c'est un apprentissage. La première fois, ça va, honnêtement. C'est cool, c'est cool. Je suis contente de moi. Non, ça va, ça. Allez, tu peux te mettre sur la gauche. La gauche ou la droite? La gauche. La gauche. Donc, on a échangé de. Et si j'avais fait ça dans les petites rues de Marseille. Putain, c'est un malade. Pas pareil là. Papa, si tu regardes la vidéo. Du coup, si vous avez aimé la vidéo et si vous voulez qu'on refasse ce genre de vidéo avec d'autres voitures et tout, ben, dites-le en commentaire, ouais, en vrai. N'hésitez voilà. Pas ou même répondre à des questions, ouais, je sais pas, peu importe. Donnez-nous des idées. On vous embrasse et on vous dit à la prochaine.